Salut à tous et salut à toutes, c'est Chromy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo test. Dans cette période de Noël, je me suis dit que j'allais faire un petit test de jeu vidéo, mais pas n'importe quel jeu vidéo, puisque nous allons tester ensemble le seul, l'unique Toilet Tycoon. Oui, alors ce nom vous dit sûrement rien du tout, ne vous inquiétez pas. Moi non plus. J'ai découvert ce jeu il y a quelques jours via la vidéo du joueur du grenier. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, le lien se trouve dans la description en dessous. Et c'est une simulation, si on peut appeler ça comme ça, de toilettes publiques. Oui, une simulation de toilettes publiques. Alors pourquoi faire ce test-là? Tout simplement parce que en fait, je discutais hier avec des amis et on parlait justement de ce jeu en disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, cette horreur ?» Et en fait, je me suis dit, bah tiens, et si je l'essayais? Si je faisais une vidéo dessus? Ça a emballé un petit peu mes amis. Par après, je me suis dit que c'était peut-être une grosse connerie, mais bon, j'ai ouvert ma bouche, je vais faire ce que j'ai dit. Donc nous allons tester ensemble Toilet Tycoon. J'ai téléchargé la version d'essai, parce que faut pas déconner non plus, on va quand même prendre le jeu. Donc on va essayer ça ensemble. Et voilà, donc c'est l'occasion en même temps de moi pour faire un nouveau type de vidéo, parce que je n'avais jamais vraiment fait de vidéo test de jeu. Je faisais plutôt des vidéos de jeux que je connais déjà. Donc on va tester un jeu que je ne connais absolument pas. Et bon, on va voir ce que ça va donner. Donc je vous dis à dans quelques instants, le temps que je me réinstalle, que j'ouvre le jeu, etc., que je lance Fraps, et on sera parti pour ce test. A tout de suite. Et nous voici de retour pour, et bien pour le test. Alors comme vous pouvez voir, il y a petite introduction, donc je viens de lancer le jeu. Alors juste avant, ils m'ont demandé un petit peu mon pilote graphique que je voulais utiliser, et donc on va commencer à lancer le jeu. Alors sérieux? C'est sérieux ça? Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, soit. Après cette merveilleuse écran d'introduction, nous sommes dans un menu. Alors, new game, load game, option, crédit. On va aller dans option, tiens. Flush Gordon. Enfin, soit. On va valider, on va lancer une new game et on va bien voir ce que se donne ce jeu. Oulala. How many player? Je suis seul. Alors, name. On va l'appeler Chromy, évidemment. What? Attends. On va recommencer. Chromy. D'accord. Un petit bruitage sympathique. En face, soit. On appuie sur next et alors quoi? Alors but du jeu, to achieve the rank. Donc vraiment nous avons des objectifs à remplir. Ok. Donc obtenir le rang de Toilet Tycoon. Gagner 1 million d'euros. Boom 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 boom. Owning all restrooms in town. Donc ouais, posséder tous les restrooms, c'est quoi, je ne sais plus. Recevoir tous les awards d'honneur. Enfin soit. On va juste prendre l'objectif de base, on va faire next. Alors, conceptive behavior, je ne sais pas ce que c'est. Generous, economical, stingy. On va laisser random. Ah, c'est le caractère des citoyens. La susceptible. Est-ce qu'ils sont susceptibles à l'humour? Des rumeurs, hein, non? Bon, random. On va lancer le jeu et on va bien voir. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça risque d'être assez sympathique. Alors là, je me retrouve dans mon bureau, je suppose. Je suis le Toilet Cleaner Chromy. J'ai 500 000 euros, donc je suis riche quand même. Et mon siège est un siège de toilette. Magnifique, avec une belle chasse d'eau. Ah, et j'ai des trucs à option. Research, statistic, map, backroom. Ok, done. On va taper map, tiens. Ah, et je peux acheter des toilettes. Ok, donc attendez, j'ai 500 000 euros. 490 000 euros. Ah, c'est cher quand même pour les toilettes. Ok.
490 000. C'est pas moins cher. 495 000. Wow, 495 000. Ils sont fous. 497 000. Oh, allez. 497 000. Y a pas moins cher. Donc apparemment là, je dois acheter mes toilettes. Et en tout cas 490 000. Ah c'est 470 000. Ah ouais c'est... Bon bah je suppose qu'on va acheter ça à l'Aptac. Acheter, c'est à moi. Oh là là. Donc je suis dedans, pas de problème. Donc j'ai 4 toilettes. Les bruitages sont exceptionnels. Alors attendez, donc je suppose que... Donc j'ai ma toilette. Je ne comprends pas, il faut faire quoi? Équipement incomplete. Donc, je suppose que je dois mettre des trucs. Ouais, je dois acheter des. Je dois acheter donc des châteaux. Bye. Ok. On va acheter une toilette. Une assise. J'ai bien compris. Regardez, flush. Si je fais... Ok. Bon. La sensibilité est horrible. Hop, tac. Allez. Et roll, 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 roll. Bon, paper. Oh, je t'ai fait peur. Et il veut pas. Roll. J'ai dit du papier, ouais. Ah ouais, j'ai du papier. Et je peux mettre... Ok, donc j'ai une toilette. And dryer. Bon. Bon, on va acheter des toilettes, plusieurs toilettes. Bon. Donc, jusque-là, je crois que j'ai plus ou moins compris ce que je devais faire. Donc, acheter des toilettes et créer mes toilettes. Jusque-là, tout va bien. Là, on va faire donc, les toilettes. Encore une fois. Sérieusement. Qu'est-ce que vous... Franchement, pourquoi j'ai eu cette idée là? Donc là, tac, 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 et tac. Et je peux... Donc je peux acheter un appareil pour sécher les mains, un distributeur de savon, des préservatifs. Pourquoi pas. 5000. Ah ça fait cher pour le distributeur de préservatifs, 5000 euros. Et sensor flush. Je ne veux pas savoir ce que c'est, donc voilà, tac. Et j'ai un équipement austère qui me met. Ah, il est pas gêné lui. Ben voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut me dire ce... Et d'accord, je fais quoi ensuite? Ah voilà. Ah je peux faire des recherches. C'est génial. Donne. Donc on tire la chasse et donc, comme ça notre journée est finie. D'accord. J'ai plus ou moins compris. Donc. Donc voilà. Alors. Pour ma première toilette, la propreté est de 100%. Elle fonctionne à 100% aussi. J'ai reçu 701 personnes. Ce qui est plutôt pas mal, pas mal. Donc j'ai eu 701 euros. Ça m'a coûté 7 euros. J'ai fait un profit de 694 euros. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors c'est quoi ça? Des flèches. Ah, ok. Donc je me suis fait, sur ma journée, 2900 euros. C'est magnifique.
Flush Gordon does his move. The king of the round is Chromy. Et on a même une roulette, c'est magnifique. Et je gagne. Ah oui, c'est en céramique. C'est magnifique. Oulala, oula, oula, oula. Oula, oula. C'est épique. C'est épique. Allons sur la map. Retournons voir notre toilette. C'est combien? Oh, j'ai dévoué ça en métal. En marbre. En gold. Et en émeraude. Pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Oh bah on va acheter ce distributeur à préservatif et le sensor flush un peu plus tard. On va fixer everything, parce qu'apparemment on a cassé les trucs, donc ça nous coûte 860 euros. Cher quand même pour fixer tout. Tac, on va retourner dans les trucs. Ah, c'est quoi ça? On a vu ça, concurrent. Enfin, je suppose que c'est un concurrent parce qu'il n'a pas le même drapeau que moi. C'est pas à moi. Donc on peut faire des recherches. Ah, on peut faire des recherches magnifiques. Donc on peut faire des recherches sur les chasses d'eau et des recherches sur les assises. Pas mal. Pas mal du tout. Faisons une recherche sur les chasses d'eau. Ouh, recherche est en cours. The research was unsuccessful. Ça arrive. Par contre, le shit, on va dire que ça concorde bien avec le jeu. Shit. Bah shit en vrai. Bon bah je pense que ma journée est finie. On va tirer la chasse encore une fois. Ah, j'ai augmenté mes gains aujourd'hui. Ah quand même. 1000 personnes sont venues, plus ou moins par toilette, magnifique. Et j'ai gagné 600 euros grâce au distributeur de préservatifs. C'est magnifique, ce jeu est horrible. Alors, j'ai fait un profit de 4576. Flush Gordon de Zizmou. Je suis le King of the Round. On tire la tombola et on va gagner quoi? Je crains le pire. Bon, un petit coup là-dedans. Ah oui, c'est en céramique. Ok, d'accord. Alors, je vais retourner à mon emplacement. On va fixer briefing encore une fois. Ça coûte du pognon à crever. Sensor flush, je ne veux pas l'acheter. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais acheter un WC en métal. Oh, 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 métal. Et on va mettre le WC en métal. Tiens, voilà. Hop. Et on va mettre du papier en mink, en soie velvet, du papier bleu. C'est pas la classe du papier bleu. On va laisser du papier bleu, tiens. Allez, c'est parti. Et on va fixer everything. J'ai déjà fixé everything, pas de problème. On va, oula oula, la souris très lente. On va quitter, on va recommencer. Tac, on va tirer la chasse. Ah, et et regardez ça quand même, hein. Le WC en métal m'a rapporté 1400 euros. Ça, c'est du profit, ça. Faut pas dire. Enfin non, parce que j'ai dépensé 300 euros. Ouais, d'accord. À mon avis, c'est le plus cher. Je vais retirer le papier bleu. Ce jeu est assez répétitif quand même. Je gagne. Batman. C'est quoi Batman? C'est quoi Batman? Oula! Oh, j'ai des tags. C'est nul ça, c'est plutôt nul. Alors je vais retirer le papier velvet là, je sais pas quoi. Je vais mettre du coton. On met du coton, allez. Mettons du coton. Et on va racheter une AWC en métal et qu'on va mettre dans celui-là. Métal
métal, c'est cool. Et on va mettre encore du fois du papier en coton. Et je vais passer cette toilette là à 2 euros. Testons. Testons. On va fixer everything. Ça coûte 1710 euros. C'est cher. Ah là là. Ah, la sensibilité de la souris est extrêmement mauvaise. Et on va donner 3000 euros. Je me suis fait 3000 euros avec mon WC à 2 euros. Magnifique. C'est magnifique. Ce jeu est exceptionnel. Flash Gordon, de this move. Enfin, Flush Gordon. Je suis le king of this round, encore. C'est chiant comme jeu. Sans mauvais jeu de mots. Et j'ai gagné un Emerald Ball. What is an Emerald Ball? Oula. Drôle de dessin. Emerald. Ah, c'est un WC en émeraude. Oh, bah, on va mettre le WC en émeraude, tiens. Je peux pas mettre le... Ah si, voilà. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Il est pas beau, ce truc-là, hein, franchement. On va fixer everything. Voilà, encore une fois. On va faire peut-être des recherches, si j'ai assez, non. Ah, j'ai pas assez. Eh ben, on va clean. Ah. La démo version is limited to 5 rounds. C'est nul. 5 tours. On attend de rien faire ce jeu. Combien oui c'est en or? 25 000. En marbre, 12 000. C'est... Franchement, je sais pas quoi dire. C'est tellement c'est moisi. C'est moisi. Donc sur ce, je crois qu'on va se quitter là-dessus parce que c'est vraiment... La musique est exceptionnelle aussi, hein. C'est pas du tout répétitive, hein. Les trois mêmes notes mis l'une à la suite de l'autre, c'est magnifique. Donc voilà, donc sur ce, je pense que l'on va se quitter parce que c'est horrible, c'est horrible. Et je peux faire quoi ici? Et peut-être tout augmenté, ça c'est méga cher en plus. Enfin soit. C'était le test de Toilette Tycoon. Enfin un test, plutôt un égarement vidéoludique on va dire. Tellement c'est cool. Vous avez vu l'eau? Je suis sur des détails là, mais l'eau est verte. Ça c'est un pont je suppose. Un pont avec de l'eau. Et l'eau est verte. Enfin, soit. Donc ce jeu est magnifique, il est exceptionnel, une maniabilité au niveau de la souris exceptionnelle comme vous pouvez le voir. C'est... On peut faire n'importe quoi. Alors, des bruitages de qualité, une bande sonore exceptionnelle, que dire de plus, je ne sais pas. L'acheter, c'est l'adopter, ou pas. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Je pense que je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Sur ce, on va se quitter. Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Parce que je pense que ce sera la dernière vidéo de 2012 sur la chaîne Chromy Tuto. À moins que je fasse peut-être une surprise, mais pas sûr. Donc ce sera la dernière vidéo de Chromy Tuto cette année 2012. 2013 sera beaucoup plus rempli que 2012. Vous inquiétez pas, des vidéos comme ça, j'en ferai plus. C'était juste un délire entre potes. Qui finalement, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Ça arrive. Mais bon, donc c'était le test de Toilette Tycoon. J'espère que cette vidéo, ce jeu vous aura plu. Moi en tout cas, je suis emballé. Je vais l'acheter directement. Dans les 25 prochaines années, je pense que je l'achèterai. S'il est en promotion à 1 centime. Uniquement. Sinon je ne... Voilà. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais retourner à un vrai jeu, je ne sais pas, peut-être retourner sur StarCraft 2. J'ai accès à la bêta, donc je vais peut-être retourner là-dessus, je vais bien voir. En attendant, ben je vous laisse ici sur cette magnifique petite scènerie de toilette. Et je vous dis donc à bientôt. Ciao, ciao!